nous, on défendra tant que faire se peut l'existence de ces petits jardins, que ce soit les jardins partagés. J'en ai moi-même fait en tant que maire des 6e et 8e arrondissements. Dans le 6e arrondissement, en à peine 3 ans depuis que je suis maire, j'en ai créé, que ce soit les jardins partagés, les jardins familiaux, tous ceux qui permettent aux plus anciens de se livrer à leur occupation favorite. Et d'apprendre aux plus jeunes, dans le cadre d'un partage intergénérationnel qui est extrêmement important aujourd'hui, aura notre soutien et notre aide. Alors, par notre présence aussi, pourquoi ? Parce que d'abord, ça permet de garder de la nature en ville à des endroits où on en a besoin. Deuxième raison, c'est de permettre à des passionnés de développer une activité et de vivre une retraite heureuse. Je suis de ceux qui pensent que le fait de considérer que l'écologie est de gauche est une dérive qui nuit à l'écologie elle-même. Absolument. L'écologie, elle doit être partout, à gauche, à droite et même aux extrêmes, parce que c'est notre avenir à tous. Je suis très heureux que Écologie Bleue, dont le président national est là, qui est les écologistes raisonnables, les écologistes constructifs, les écologistes non dogmatiques, soit à nos côtés dans cette campagne électorale.